Perfect Memory, c'est une start-up de 7 personnes qui propose aux particuliers la préservation et la valorisation de leurs archives photos et vidéos. Donc l'idée était de mettre à portée des entreprises et des particuliers des technologies qui étaient jusque-là réservées aux professionnels. Des technologies de numérisation des archives, des technologies de classification, indexation et tout ce qui permet aujourd'hui de partager, de lire, de visualiser tout ce qui constitue la mémoire des familles depuis son téléphone, sa télévision connectée, le web, etc. Alors ce qui fait notre singularité, c'est que nous avons une offre de rupture. Et donc pour proposer ce genre de service à des particuliers, il a fallu qu'on innove. Il a fallu qu'on innove dans la manière d'analyser le contenu, de le classifier, de l'indexer comme on dit. Il a fallu qu'on innove dans toutes les parties de montage, et en particulier les outils de montage automatique. Donc Perfect Memory aujourd'hui est en mesure, si vous apportez des archives audiovisuelles, d'analyser ces archives et de faire en sorte que en appuyant simplement sur un bouton, vous disposerez d'un clip vidéo monté et prêt à regarder automatiquement. L'apport d'Osio Capital PME a été très important puisqu'il a permis à des investisseurs de prendre connaissance de l'entreprise, de son profil, de ses potentialités, de ses innovations et de mettre en relation ces investisseurs avec la plateforme de levée de fonds à laquelle nous avons adhéré qui s'appelle Alternative. Donc cette intermédiation d'Osio Capital PME a été capitale dans notre processus de levée de fonds. Donc c'est un processus qui a été long à démarrer mais qui s'accélère aujourd'hui. Cette levée de fonds a permis de consolider l'équipe technique existante, de la renforcer, de faire de nouveaux recrutements, de développer les outils marketing et de renforcer l'équipe commerciale en vue d'attaquer le marché aussi bien national qu'international sur le continent européen et le continent américain.